Bien-aimé en Christ, je vous invite à la prière. Baninga mikati na Christo na bengi bino na kobondela. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana pe Molimo Mosantu. Éternel Dieu tout-puissant, tendre Père. Waseko Nzambe abokasi yinso Tata malamu. Du fond de l'âme, du fond du cœur, nous te disons merci. Immense merci pour tous tes bienfaits que nous ne pouvons compter. Parce que tu es la source de notre joie intarissable. Tu es un Dieu incomparable, nul n'est comme toi. Tu es un Dieu parfait. Tu as toujours été à nous, avec nous et tu seras toujours avec nous. Seigneur, nous ne pouvons pas faire un seul pas sans vouloir être avec toi. Nous voudrons que tu nous accompagnes à chaque instant de nos vies. Nous venons dans ta maison pour te dire merci pour ton accompagnement et l'aide que tu apportes à tout un chacun de nous. Pour diverses réponses que tu as données à ton peuple, même là où nous n'avons pas eu gain d'écho, Seigneur, nous te disons merci. Parce que ce que tu fais a toujours été bon. Nous espérons que tu feras encore mieux davantage. Pour le salut de nos âmes. Et pendant que nous sommes sur cette terre, tu accepteras bien de nous donner ce que nous t'exprimons comme au désir. Nous venons dans ta maison pour prier pour ton peuple. Il y en a qui souffrent sérieusement. Parmi eux, il y en a qui sont malades. Père, accepte de te manifester comme un bon médecin auprès d'eux. Il y en a qui ont des maladies incurables, Père. Tu es le dernier rempart. Tu es l'espoir pour ceux-là qui sont malades. Il y en a qui sont endeuillés, qui sont tristes pour divers problèmes. Tends ta main de secours sur chacun. Bénis les sacrifices consentis par tes enfants pour ton œuvre de rédemption. Nous te remercions pour divers dons que tu as implantés dans ton église. Pour les apôtres que tu as mandatés et les ministres ordonnés. Nous te prions de nous permettre d'être en communion d'esprit avec notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions de bénir ceux que tu as placés au-devant de nous comme dirigeants. Nous pensons à notre apôtre patriarche et à l'apôtre des districts. Nous pensons à l'apostolat dans le monde entier. Consolide encore l'unité de l'apostolat Père. À présent, nous avons besoin de ta parole. Dispose nos cœurs pour bien la recevoir. Sous la protection des anges, de tes anges, de sorte que tout se passe dans la joie et dans la paix. Accorde-nous au-delà de nos suppliques. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, pour ce dimanche, nous avons la parole que notre apôtre patriarche nous a envoyée, tirée de l'Acte des Apôtres au chapitre 5, au verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
bazala kika kakotea pe kosakola sango malamu ya Mesia Yezu na ndako ya Nzambe pe na bandako ya bato. Jusque là prenez place, la chorale peut nous interpréter un cantique. Kino awa bovanda bayembi bakoko pesa biso Nzambe. Chers frères et sœurs en Christ, Balingamimi bali pe basikati na Christo. Nous voudrions déposer notre profonde gratitude du haut de celle sur terre de grâce. Likolo ya mesa bonzenga oto ngiko kitia biso botondi pour l'occasion qui nous est donnée d'être par la voix des ondes dans vos maisons à travers ces services divins. Bona libako pe same libiso ya kozala okati ya banda kona bino ondela singa na kati ya losambo oyo. Cela ne change rien, c'est un service divin. Yangweza likolongole lokote ezali kaka losambo. Parce que notre Père céleste vient nous servir à travers ses serviteurs. Alors, permettez-moi de vous souhaiter cordiale bienvenue à l'hôtel des grâces. Et disposons nos cœurs pour que la main paternelle puisse y écrire quelque chose. Du fait que notre Dieu veut nous parler, et il y en a qui suivent ces services divins à l'hôpital, dans des prisons, à la maison. Ce sont des circonstances tout à fait particulières, bien-aimés en Christ. Mais l'amour de nos, ça a beaucoup changé des choses à nous. Parce que notre Père céleste continue à nous aimer, peu importe les circonstances. Voilà qu'avec la pandémie, on pouvait se demander comment aller encore à la maison de l'Éternel. Au moins par la voix des ondes, à travers la technologie, la parole de Dieu nous atteint. Kasi onzela ya Singapour, onzela ya misala ya maboko ya bato, liloba ya Nzambe ezali kokomela biso. Et nous sommes reconnaissants que dans les jours à venir, nous pouvons être ensemble, se voir face à face et pouvoir être en communion dans la maison de Dieu encore. Pe tozali kolika ete na mikolo ezali koya, tokoyeba kozwa libaku ya kokotana lisusu na kati ya ndako ya Nzambe pe komona na elongi na elongi. Ce sentiment-là réchauffe dans nos cœurs de pouvoir se retrouver une fois de plus et fêter la Sainte Cène ensemble. Makanisi ya bongo ezali kopesa esengo na kati ya motema ya koyeba komona na lisusu pe kokabola molei mosantu lisanga. Le texte que nous avons lu ce matin, liloba totangi na tongo ya lelo, nous fait voir la manière dont l'œuvre de Dieu avait évolué à l'époque. L'ordre des missions de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses apôtres. Cet ordre de mission est contenu dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 19 à 28. Etinda yango ya mosala ekomami na mokanda ya Matayo mokapo ya kotanga tuku mibale na mwambe pe molongo ya zomi na libwa. Il leur demandait d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Et les baptiser au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de leur enseigner tout ce qu'il les avait prescrit. Et ce que nous avons lu ce matin, on nous fait voir que
l'église ne faisait que accroître. Na oto tangi na tongo lelo bazali ko lakisa biso ete eklezia ezalaki kaka kokola. Et on dit, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais les hommes de Dieu à l'époque ont travaillé dans des circonstances très difficiles, bien-aimés en Christ. On leur imposait de ne pas parler au nom de Jésus. Ils étaient persécutés, torturés. J'étais même en prison, bien-aimé. Et le contexte de la parole d'aujourd'hui nous fait voir que Pierre et les apôtres étaient jetés en prison. Alors au milieu de la nuit, le Seigneur envoya son ange pour les libérer parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Les portes de prison étaient hermétiquement fermées, bien-aimés en Christ. Il y avait des gardes tout autour. Et là, les apôtres ne se trouvaient plus dans la prison. Ils sont sortis miraculeusement, bien-aimés en Christ. En sortant, ils ne sont pas allés dormir. Ils ne sont pas allés s'occuper de leur famille. Ils se sont retrouvés dans le temple en train d'enseigner la parole de Dieu. Et alors, quand les gardes ont constaté que les prisonniers n'y étaient plus, ils ont fait rapport à la hiérarchie. Pendant qu'ils s'interrogeaient comment ces gens sont sortis, parce qu'il n'y avait pas de casse à la porte de prison. Et alors un homme survint pour lui dire que les hommes que vous cherchez sont là en train de prêcher dans le temple. Ils sont encore allés pour les arrêter, bien-aimés. Et ils furent arrêtés. Et ils ont commencé à les juger. Alors ils leur posèrent cette question. N'est-ce pas que nous vous avons interdit de parler au nom de cet homme-là? Bien-aimé, je suis allergique aux petits mots. Et parle de cet homme-là. Qui était cet homme-là dont le militaire, le soldat parlait? C'était ceux-là que les disciples considéraient comme leur Seigneur et Maître. J'aimerais que nous comprenions que tous nous n'avons pas la même considération de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui voient en lui le fils de Marie, de Joseph, comme c'était certains le pensaient. Mais les disciples voyaient en lui leur sauveur, leur Seigneur et Maître. Alors à la question de savoir, nous vous avons interdit de parler de cet homme, pourquoi vous parlez toujours de lui? Les apôtres rétorquèrent comme ceci. Devrions-nous avoir peur de vous ou avoir peur de Dieu? Bien-aimé, pour annoncer l'évangile de Christ. De quoi avez-vous peur? Devrions-nous avoir peur des hommes pour annoncer l'évangile de Christ? Les apôtres ne pouvaient se taire des réalités qu'ils avaient vécues auprès de notre Seigneur. Ils avaient compris qu'il était le roi des rois. Ils avaient compris qu'il était l'envoyé de notre Dieu. Ils avaient compris que c'était un homme hors du commun que eux qualifiaient d'un homme. Pendant qu'ils le jugeaient, alors qu'apparut un docteur très estimé
dans ce pays en Israël. Ndeboye molaki simoko bazalaki kotosa mingi na kati ya Israël abimaki. Il s'agit de Gamaliel. Ezalaki nde Gamaliel. Gamaliel va rappeler certains faits du passé. Gamaliel yekuisa bango lisusu mwa makambo eleka. Il dira nous avons connu Tedas. Aebisi bango ete toyebaka Tedas. Nous avons connu Judas le Galiléen. Judas yamboka ya Galilée. Ça va amener une certaine doctrine ici chez nous. Bango bayaka pe na mo mate ya moko we pa. Il y avait derrière et plus de 400 hommes qui les avaient suivis. Bango bazalaki na sima na bango batokoleka kama minei. Où sont-ils aujourd'hui? Kasi bazali wapi lelo? Tous sont morts. Bango nyonso ba ici ba kufa. Je vous mets en garde de ce que vous voulez faire de ces hommes de Dieu. Nazali ko kebisa bino na oyo bolingi ko sala basali ya Nzambe. Si leur entreprise est leur propre affaire. Ce qui mon sala na bango o ezalika ka mon sala nzoto na bango. Ça va s'arrêter quelque part. Eko katana na esika moko. Mais si c'est l'œuvre de Dieu. Kasi soki ezali mon sala ya Nzambe. Personne ne saura l'arrêter. Moto moko akoki kokanga yango te. Qui est satisfait comme moi bien-aimé en Christ? Nani asepeli lokola ngai balinga mkati na Pour comprendre que du fait que l'œuvre continue jusqu'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Bona kososole te lokola mosala ezali kokoba kino lelo ezali mosala ya Nzambe. L'ordre de mission dit commencer à Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Pwete na ngonga etinda lobaki bobanda na Jérusalem, na Judée, Samarie kino na suka ya mokili. Et voilà notre beau test dit et chaque jour dans les temples et dans les maisons Botala sikoyo lilobanabiso kitoko elobi mikolonio sona kati ya tempelo pe na bandako ini cesse bazalaki kotika te d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons compris que les apôtres de l'ancien temps ont fait à leur manière le travail. Dans la persécution, dans l'outrage, mais ils n'ont pas cessé de vrai. Chacun de nous est appelé à annoncer l'évangile là où il est. Moko na moko kati na biso abengami ko sakola sango malamu esika azali. Peu importe les circonstances. Atako makambo alolenge na lolenge. Partageons le verset 41 de l'épître du chapitre 5 que nous avons lu. Tokabola molongo akotanga tukumine ina yambo ya mokanda ya mokapwa mitano wapi touti kotanga. Les apôtres se retirèrent devant les Sadéens, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Bantoma babimi na likita monene batondi na esengo po Nzambe apesi bango lokumu ya konyokwama mpo na kombo ya Yesu. Ils sortirent joyeux parce qu'ils ont été outragés pour le nom de Jésus. Bango babimi na esengo po ete banyokwami na kombo ya Yesu. Et quiconque peut souffrir pour l'œuvre de Dieu s'est fait beaucoup de illusions en tête. Moto oyo azali komona pasi pona mosala ya Nzambe azalaka na makanisi ebele na moto na ye. Pourquoi je dois souffrir pendant que c'est l'œuvre de Dieu? Pona nina koko nyoka manzoka nde ezali mosala ya Nzambe. Pourquoi je dois être outragé pendant que c'est l'œuvre de Dieu? Pona nina esengela nga komona ba pasi nzoka nde eza mosala ya Nzambe. Où est ce Dieu là? Il est où pour intervenir? Nzambe wana azali wapi pona ya kosunga ngai? Le bon Dieu est intervenu dans la prison, il n'y a eu pas de casse dans la prison. Nzambe ayaki kotia maboko na kati ya boloko. Les apôtres sortirent de là pour annoncer l'évangile. Dès lors que nous sortons de nos prisons bien-aimés en Christ, de nos propres pensées, qui constituent une prison aussi, nous sommes appelés à annoncer l'évangile partout où nous devons être. Les apôtres étaient très joyeux parce qu'ils continuaient l'œuvre du maître, l'ordre de démission était exécuté. Le Seigneur lui-même sur cette terre, il a d'abord commencé à donner l'exemple pour annoncer la bonne nouvelle à ses contemporains. Rappelez-vous au puits de Jacob, il y avait une barrière que la femme samaritaine avait imposée.
Ezalaki na mo bokabwani moko mwasi mo Samaria oyo atiaki. Juif et Samaritain, il y a pas relation entre nous. Ba Yuda na ba Samaria tozane eloko moko te zo sangisa. Cela pouvait mettre fin à la volonté du Seigneur pour pouvoir l'annoncer la bonne nouvelle. Yango ko kai ko suki sa pose en kolo ya koyebisa esango malamu. Cette barrière des tribus n'avait pas occasionné la rupture de l'annonce de la bonne nouvelle. Bokaboli oyo bikolo yango tende sala ki ete azwa sango malamu te. Qu'est-ce qui constitue une barrière pour toi pour annoncer l'évangile? Là où tu es. Nini ezali ko telemela yo po ete ba kokoka ko sakola sango malamu te siko ozali. À un certain moment, il faut reconnaître que notre comportement ne permet pas que nous puissions parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nele komoko senga na biso ko sosolete bizaleli na biso ezopesa biso nzela te te ba kolobela ba po na Jésus. Nous sommes appelés à nous débarrasser de notre du vieil Adam pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sengi na biso kolongola Adam ya kala po na kolobela ba tonkolo na biso Jésus-Christ. Vous voyez que quand le Seigneur a annoncé la bonne nouvelle à la femme samaritaine, la femme est allée appeler aussi ses contemporains. Et ils ont cru à la parole du maître. Nous comprenons que l'évangile ou la proclamation de l'évangile avait permis que l'œuvre de Dieu, le nombre des fidèles puisse accroître. Et quand on annonce l'évangile, la force de l'évangile est donnée par l'autorité du ministère qui annonce. Mais l'efficacité pour que cette parole opère dépend de la foi de celui qui reçoit cette parole. Parce que le Seigneur Jésus a dit à la femme, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Cette parole a percé la femme de ce, la parole, le cœur de cette femme. Subitement, il va dire, mon Seigneur. Et l'entretien que la femme avait avec le Seigneur Jésus-Christ, il a compris qu'il pouvait bénéficier beaucoup. La femme est allée appeler ses frères et sœurs. Au retour des disciples, ils ont trouvé que le Seigneur ne s'était pas reposé, mais il travaillait, il annonçait l'évangile. Bien-aimé en Christ, si ces gens-là avaient cru, c'est que le nombre de ceux qui avaient suivi le Seigneur ne faisait qu'accroître. Nous avons une part de responsabilité de permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse atteindre les extrémités de la terre. Il y a tant d'exemples de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait donné comme enseignement et ça a pu changer les gens. Le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu dans la maison des Zachées. Et Zachée avait pris pas mal de décisions bien-aimées en Christ. Ça, c'est le changement qui s'est opéré de l'entretien qu'il avait avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le changement qui s'opère en toi du fait que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé? Certes, nous pouvons prêcher en lisant la Bible, en demandant à notre prochain, lis dans Hébreu, lis dans Matthieu, lis dans Daniel, ainsi de suite. Le vrai enseignement, comme l'a toujours dit notre apôtre de district, c'est dans notre comportement aussi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent te voir pour te conclure en soi pour dire que nous devons suivre le Dieu de cet homme-là? Bien-aimé Christ, j'aimerais vous partager avec vous cet exemple. Le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé sur la croix. Pendant qu'il
On était en train de lui lapider, de lui torturer. Tango bazala ki konyo kola epe ko bamba e mabanga. Il y a eu des gardes tout autour. Et zala ki na basinzi li zinga zinga. Et lorsque le Seigneur a landi l'âme, tango nkolo akati molimo, j'aimerais vous faire voir la réaction d'un des soldats qui est à côté. Na lingi na la kisabino lolenge soda moko zala ki pene asala ki. Il déclara. Yalo baki. Franchement, c'était un fils de Dieu. Ya solo penza azalaki mwana ya Nzambe. Je regrette que qu'il a cru pendant que le Seigneur ne pouvait plus dire un mot. Pasi na motema poeta ndimaki tango oyo nkolo akokai lisusu koloba. Il aurait mieux fait comme le voleur qui avait dit à son prochain, toi et moi nous méritons cette place. Esengela kina ko sala lokola moyibi alobaki na moninga na yona nga esiko ekoki pona biso. Et il demande au Seigneur, ne m'oublie pas dans ton royaume. Pasenga kana nkolo ko bosa na ngate na bokondi. Mais l'autre, il a cru au Seigneur pendant que le Seigneur a rendu l'âme. Il a vu le comportement du Seigneur pour dire que non. Franchement, il était un fils de Dieu. Kasi wana mosusu yandi meli nkolo tangu nkolo akati motema. Amoni lolenge ya nkolo patatoli ya solo ete oya zalaki mwana ya Nzambe. Beaucoup de gens nous regardent bien aimé en Christ. Ils voient nos réactions lorsque nous sommes en souffrance. Ils voient nos réactions quand nous sommes persécutés. Même quand nous sommes persécutés innocemment. Alors, qu'est-ce que ces gens peuvent conclure en nous voyant? Peuvent-ils dire franchement c'est un homme de Dieu? Franchement, peut-il dire que vraiment c'est un serviteur de Dieu? Nos réactions doivent montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que l'attitude du Seigneur pendant qu'on l'a tué, il n'a pas réagi. Et là, voilà pourquoi on dit c'est l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau ne réagit pas quand bien même vous êtes en train de lui tuer. Mais quand vous avez un bouc en train de tuer, vous verrez comment il va faire beaucoup de bruit. Les apôtres devaient enseigner ce que le Seigneur leur avait prescrit. J'aimerais citer quelques prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, on lui a posé la question, comment est-ce que les gens reconnaîtront que nous sommes tes disciples? Il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est pour cela que nous disons à l'église, l'amour c'est notre emblème, lui doit nous distinguer bien-aimés en Christ. Cet amour nous pousse à aller vers notre prochain pour lui proposer les saluts. Le Seigneur donne l'amour, l'exemple de l'amour à travers l'exemple du bon samaritain. Pendant que beaucoup sont passés sans s'intéresser à cet homme qui était abattu, le bon samaritain s'approcha pour l'apporter l'aide. Pourquoi on dit il est bon? Pourquoi l'adjectif qualificatif bon? Parce qu'il a posé des bons actes. De nos bons actes, l'adjectif qualificatif viendra. Viens entrer dans le royaume de ton père bon serviteur. Et si l'adjectif qualificatif doit venir, c'est en conséquence de ce que nous avons posé comme acte. Et quand on parle de la prescription de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il avait prescrit aux apôtres pour qu'eux aussi puissent nous prescrire, Oh, il y a 5 qui n'ont pas de temps, mais pour être bango, peut-être pas qu'on tient d'un gros pas à bateau.
il y a le sens de pardonner, bien-aimé en Christ. Et le sens de l'amour vis-à-vis de notre prochain, comme nous venons de le dire. Cela est contenu dans le livre de Matthieu, chapitre 5. J'aimerais m'apesantir au verset 44 et 45. Quand le Seigneur dit, vous avez appris. Mais moi je vous dis. Comprenons la nuance, bien-aimé en Christ. Nous avons appris déjà. Et si toi es là, celui qui vous aille pour aille dent pour dent. Ce qui ba baby sili sou baby sali sou, ce qui ba baby sili no baby sali no. Et là le Seigneur vous dit, mais moi je vous dis, kasi nkolwa lo bien te ngana ebisi bino. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bweba ko bonde la pona ba bazali ko nyoko la bino. Priez pour vos ennemis. Bweba ko bonde la pona banguna na bino. Aimez vos ennemis. Bweba ko linga banguna na bino. Dans la prescription médicale, tout n'a pas. Quand on vous prescrit le produit, tout n'est pas succulent, bien-aimé en Christ. Il y a des produits amers que les enfants n'aiment pas souvent prendre. Il y a des produits qu'il faut piquer et ça fait mal quand on vous pique. Il y a des produits très succulents et c'est comme du lait, ça fait beau. Il fait beau. Et comment trouvez-vous cette parole qui vous dit d'aimer vos ennemis? Est-ce succulent ou c'est amer, bien-aimé? Je me réfère à la parole du maître qui dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà une des prescriptions de notre maître bien-aimé qui fait partir de l'enseignement, qui fait partir de l'évangile que nous sommes appelés à nos enfants, à nos jeunes, à nos contemporains. Mais surtout à servir aussi d'exemple. De sorte que ce que nous donnons comme enseignement, ce soit le reflet de ce, de la façon dont nous vivons. Et là, vous comprendrez que le roi Belshazzar avait pris une décision. Que tous devaient prier le dieu Darius. Mais Daniel, lui, il a dit non, 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 ça, depuis mon temps de enfance, on ne m'a pas enseigné ça. Bien-aimé, vous connaissez bien l'histoire plus que moi. Du comportement de Daniel. Qui restait fidèle à son Dieu. Son Dieu l'a délivré du fosse de lion. Là où les ennemis de Daniel avaient comploté en mal. Et tous périrent avec leur famille parce que les rois s'étaient fâchés contre eux. La confiance avait quintuplé en faveur de Daniel, bien-aimé en Christ. C'était une manière de prêcher par l'exemple. Daniel n'avait pas pris les ordonnances, le livre de loi pour prêcher au roi. Daniel a joué qui mi kandate mi be côté pour na koeba côté à mon compte. Il a prouvé seulement qu'il était fidèle à son Dieu et sa fidélité a payé. Yala ki sa ki kake tazala ki moyenge benye pa nzambe na epe boyenge benina ye. En lisant dans le livre de Daniel au chapitre 4, les rois venaient pour appeler Daniel timidement. Na kotanga na mokanda Daniel mokapo aminei. Daniel était fier de parler de son Dieu qui lui a délivré du fosse de lion. Daniel azalaki na lolendo nyonso ya kolobela nzambe na yo abikisa ke na libulu ya bankosi. Notre Dieu nous délivre de pas mal de situations.
Nous sommes appelés d'en parler à nos contemporains. Notre Dieu nous aime beaucoup. Nous sommes appelés à parler de cet amour de Dieu à nos prochains. En aucun cas cet amour va diminuer parce que le bon Dieu va aimer votre contemporain. Cet grand amour est pour tout son peuple, pour ceux qui vont croire à sa parole. Bien-aimé, que la main paternelle de notre Dieu puisse écrire ses paroles dans nos cœurs. Que ça puisse apporter un changement à nous. De sorte que l'évangile que nous recevons, nous puissions aussi la propager partout où nous sommes. Non seulement en parole, mais surtout en acte. Et au jour du Seigneur, nous serons appelés bons et loyaux serviteurs. Amen. Amen. Pour ce service divin bien-aimé en Christ, nous sommes accompagnés de notre apôtre Jean Piana. Nous l'inviterons pour nous servir et la chorale peut apprêter le chemin. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, la joie est très grande ce jour dans mon cœur. Parce que nous sommes dans la maison de notre Père Céleste. Et d'ailleurs, nous le remercions infiniment pour son incommensurable amour. Chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, distingués invités, nous devons aimer Dieu par-dessus de tout. Aimer cette maison. Parce que cette maison ici nous appartient. Nous sommes les enfants de Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas la vie pour nous. Raison pour laquelle il faut l'aimer. Je peux vous donner un exemple d'un poisson. Poisson sans l'eau, il n'y a pas la vie pour lui. Il peut vivre pendant 2 ou 3 heures sans l'eau. Mais vivre toute une journée, c'est difficile. Hein? Mais nous, sans Dieu, sans cette maison, il n'y a pas la vie.
Kasi biso soki nzambe te soki ndako oyo te bomo ezate. C'est pourquoi aimons notre Père céleste. Na yango wana to linga tata na biso ya likolo. L'apôtre nous a parlé aujourd'hui une belle histoire. Ntoma lo beli biso lelo li solomo kwa kitoko. Nous avons une mission. Tozali na etinda. Cette mission là est d'évangéliser. Parce que nous qui avons reçu Christ comme Messie, Sauveur, nous avons un travail à faire. C'est de transmettre le message que nous avons reçu de Christ. Cela ne concerne pas seulement les frères de ministère. Nous avons aussi, nos frères et sœurs, un devoir d'évangéliser. L'apôtre a très bien dit ici qu'au temps des apôtres, ils ont travaillé dans un temps très difficile. Mais ils ont œuvré. Et ils ont évangélisé à Rome, partout. Les temps que nous nous trouvons est difficile. Mais n'empêche que nous nous évangélisons. L'apôtre a parlé de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Quand nous lisons bien l'histoire, et nous verrons que Jésus-Christ était dans un état de fatigue. Et il était enfamé. Parce que les apôtres étaient partis chercher de vivre en ville. Et c'est là pour noir sur blanc que Jésus était enfamé. Mais quand il a vu la femme samaritaine, il n'a pas fermé sa bouche. Il a évangélisé. Parce que la famine, la fatigue vont de pair. Mais il a évangélisé quand même. Mais quand nous nous rentrons de notre travail, quand nous sommes enfamés, est-ce que nous nous évangélisons? Le grand problème, il faut évangéliser à tout moment et à chaque instant. Nous avons la joie, la grâce parce que on n'a pas interdit parce que bientôt là, on retrouve la maison de Dieu. Donc il n'y a pas interdiction. Mais eux, les apôtres d'Atan, à leur époque, ils étaient interdits. Ils étaient interdits pour qu'ils ne puissent pas propager la bonne nouvelle. Kasi ba ele bantoma ele ko atango akala. Mais ils ont fait cela avec beaucoup de difficultés. Nous voulons toujours propager la bonne nouvelle. Prenons la femme samaritaine en exemple. Quand elle a vu le Messie, et elle est allée crier en ville. Mais nous avons reçu le Messie. Combien de fois tu as prêché dans ta famille? Combien de fois tu as prêché dans ton village natal? Beaucoup parmi nous, quand tu le demandes, deux ou trois sont dans l'église, les autres à côté. Mais ce que nous avons un travail à abattre, d'évangéliser nos propres familles, d'évangéliser nos entourages et d'évangéliser ceux qui sont même de loin. C'est pourquoi l'apôtre a parlé que pour bien propager la bonne nouvelle, pour très bien évangéliser, nos comportements en dépendent.
Quelqu'un qui est mal réputé dans son quartier pour aller prêcher à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est possible. Que l'Éternel nous garde à travers cette parole. Et qu'il nous donne aussi la possibilité de mieux œuvrer, de mieux évangéliser dans son œuvre. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, nous remercions notre apôtre pour nous avoir beaucoup édifiés. Lorsque quelqu'un se trouve dans une mission officielle, il n'a pas peur d'accomplir la mission qui lui est assignée. Il y a parfois une mention au bas de l'ordre des missions qui dit les autorités militaires et policiers sont censés lui accompagner, lui apporter aide nécessaire. En cas de nécessité, il peut brandir l'ordre de mission, je suis en mission de service et on va lui secourir. Cette mission se trouve aussi dans l'ordre de mission des apôtres. Que dit le Seigneur? Je suis avec vous. Du monde. À chaque pas quand tu es en mission, réconforte-toi pour dire que le Seigneur est avec moi. Alors fais bien le travail. Fais le travail que le maître t'a envoyé. Peu importe le lieu. Vous pouvez être en prison, à l'hôpital. Mais aussi longtemps que vous pouvez parler, prière d'annoncer à notre frère qui est malade comme vous que le Seigneur vous aime. Apporte-lui le salut de la manière qu'on t'avait apporté aussi. Là, Paul l'a fait, qui jadis était appelé Saoul. Dès lors qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, son nom de Saoul était mis à côté. Il est dit, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, nos noms ont changé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et comportons-nous de la manière digne des enfants de Dieu. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il vous accorde tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez les instruments dans la main de Dieu pour annoncer l'évangile auprès de nos contemporains. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs aujourd'hui et à l'éternité. Amen. Amen. À présent, nous demandons à la Cora de nous interpréter le cantique de repentance. Sikoyo tokosenga na bayembi ba bakopesa biso nzembo ya kobongola motema. À présent, je vous invite à être debout pour faire la prière que le Seigneur nous avait enseignée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit et reste avec vous tous. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant Père d'amour, du fond de l'âme, nous déposons devant cet autel de grâce notre profonde gratitude. Pour ta parole qui nous a fortifiés, pour le pardon des péchés. Seigneur, nous avons honte de nos péchés. Aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Donne-nous la capacité de pardonner aussi à notre prochain. Aide-nous à ne plus pécher, Seigneur. Accepte-nous comme tes enfants et serviteurs dans ta maison. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nettoyer encore nos âmes plus. Nous voulons mieux te servir et te suivre. Enseigne-nous tes voies. Permets-nous d'être des outils dans ta main. Seigneur, quel est cet outil qui peut travailler sans qu'il soit entre les mains de son maître? Sois au-devant de nous à tout moment. Et accompagne-nous dans cette mission qui est la nôtre. Afin que nous puissions faire ta volonté et non notre volonté. Au-delà de nos demandes, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu connais mieux plus. Accorde-nous par ton immense amour. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons clôturer ce service mais par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, merci du fond de l'âme pour tout. De la manière dont nous sommes approchés de l'autel de grâce, ce n'est pas de la façon dont nous rentrons. Nous avons l'extrême désir de mieux te servir. D'apporter la bonne nouvelle partout à nos contemporains. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Aide-nous en cela. Nous te remercions pour notre apôtre patriarche. Pour notre apôtre de district, tous les apôtres dans le monde entier. Et tous les ministres ordonnés qui travaillent en communion étroite avec l'apostolat. Aide-nous à accomplir fidèlement cette mission. Nous prions pour le pays. Donne la sagesse et l'intelligence aux autorités pour que toutes les décisions soient orientées vers la paix. Pouvons nous dire, Seigneur, pour ceux qui sont malades, sois leur médecin. Essuie les larmes de ceux qui sont endeuillés.
Accorde-nous au-delà de nos suppliques et nous, Seigneur, nous te demandons de bénir les offrandes de tes enfants aussi. Pesa kole kabosenga na biso penkolo tozali ko bondelo ba ko pambola makabo ya bana na. Le sacrifice d'amour consenti pour ton œuvre. Komika ba bolingo et pesa mi pona mosala na yo. Nous te supplions ainsi au nom de Jésus-Christ ton fils bien-aimé. Tozali ko bondelo bongo na kombo ya Jésus-Christ mwana na ya bolingo. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Bonzenga nkolo na biso Jésus-Christ, bolingo nzambe, pe bokanga na molimo mo santo e ba kozala pe kotikala na bino banso. Amen. Bien-aimés, c'est la fin de notre service divin. Balingami, wanande suka lo sambo na biso. Pour mieux clôturer notre rencontre, nous demanderons à la chorale de nous interpréter un morceau de cantique. Bona kosuki sa bokuta ni na biso malamu to kosenga na bayembi ba pesa biso nzembo. Merci, à la prochaine. Melesi kino bokuta ni bosusu. Behold, for quickly I shall go and my way.